Parmi les 4 parcelles de 5000 m² situées à la Spozat et mises à disposition par la ville d'Ajaccio, celle de Swann est la plus avancée. La moitié de l'espace est déjà clôturée et les premiers radis devraient sortir d'ici une quinzaine de jours. Grâce à cette pépinière d'entreprise agricole, il espère vendre sa production bio directement aux particuliers en circuit court. C'est une vitrine parce que c'est à très petite échelle, mais malgré ça, j'espère atteindre un certain seuil de rentabilité. Et j'espère que ça va m'ouvrir des portes pour pouvoir trouver d'autres terrains, peut-être un peu plus grands, et pour avoir un projet, je dirais, plus global. Voilà. Pour les 4 porteurs à projet, c'est l'opportunité d'un test grandeur nature d'une durée de 1 à 3 ans avant de décider de s'installer pour de bon. Une occasion à ne pas manquer pour Nadine, elle tient un restaurant sur Ajaccio. Depuis toujours, on cherche un terrain pour produire nos propres légumes. Donc c'était l'occasion, puisque c'est, le foncier c'est très compliqué chez nous. En plus, à Ajaccio, ou très proche d'Ajaccio, puisqu'on a le restaurant Ajaccio, on vit sur Ajaccio, c'était vraiment de pouvoir produire quelque chose de très local. Chaque testeur va bénéficier de matériel et d'un accompagnement adapté, comme un suivi technique, une aide à la gestion de l'exploitation ou la recherche de financement. Une volonté pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien de conserver une vocation agricole à ces terrains périurbains. Nous sommes dans des villes souvent décriées à plusieurs titres, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi que les gens se logent et il faut aussi des habitations. Mais pour montrer que nous prenons aussi conscience, tout aussi bien que d'autres personnes, qu'il faut aussi protéger, et notamment autour des villes, et qu'on peut avoir cette mixité, je dirais, habitat et production agricole. Plus de légumes bio dans les cantines d'Ajaccio, c'est peut-être pour bientôt.